Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Ok, là nous sommes de retour. On va parler encore de Bitcoin et de Coinbase. Donc dans la vidéo précédente, je vous avais montré comment ouvrir un compte Coinbase. Donc comment on l'a fait? Vous avez ouvert votre Coinbase et normalement vous avez dû recevoir cet email là qui vous dit, ça c'est l'email que vous recevez quand vous le créez. Vérifiez. C'est juste pour vérifier votre adresse email. Et normalement, vous cliquez là, sur Verify Email Address. Quand vous cliquez là, ça vous ramène sur cette porte. OK? Là, c'est votre portefeuille Bitcoin qui est là. On va revoir un peu l'interface, hein. Voilà, votre nom se trouve ici. Et là, on dit bienvenue. Allez, et on va commencer. Donc voilà, là, on va mettre à jour, on va essayer de mettre à jour votre portefeuille Bitcoin. Donc dans un premier temps, il va vous dire est-ce que vous ouvrez en tant que individuel ou en tant que affaire ou business. Nous, on va marquer individuel, après on va next. On va essayer de le faire ensemble, le configurer ensemble. Donc là, j'appuie sur next. Là, maintenant, il va me dire de choisir, on est ici. Okay. Il va me dire de mettre un numéro de téléphone. Donc, il faut mettre un numéro de téléphone, c'est que ça va vous permettre d'être le deuxième moyen de vérification. Ok. Donc là, on va mettre notre numéro de téléphone. Parce que c'est sur ce numéro de téléphone qu'on va recevoir. Ils vont nous envoyer un code. Vous voyez là, je viens de mettre, et là, ils vont m'envoyer le code. J'ai dû le recevoir, normalement. Voilà. Là, je viens de le recevoir. Donc, le code que vous recevez, vous allez prendre votre téléphone. Attendez, moi, je vais le mettre. On le fait ensemble. Donc, le code que vous avez reçu, vous le mettez ici. Donc, moi, c'est 0, 9, 54, 142. Et après, je fais vérifier le numéro de téléphone pour s'assurer que c'est bien mon numéro de téléphone qui sera lié à ce compte-là. Ok, là, il est en train de vérifier. Ok. Voilà. Et à cette étape, maintenant, on vous demande, est-ce que vous voulez, comment on dit, joindre votre crédit card ou votre numéro de compte. Pourquoi cette étape? Cette étape va vous permettre d'acheter les bitcoins dont vous aurez besoin pour pouvoir entrer dans les autres systèmes. Donc voilà, là, si vous voulez le faire, là vous le faites, vous juste cliquez dessus. Nous on va pas le faire. Là je vais pas le faire maintenant, mais je vous montre, hein. Voilà. Moi je vais pas le faire, donc je ferai ça plus tard. Mais c'est là qu'on rentre pour joindre à la carte bancaire. Voilà, là on a fini. Votre compte est set up. Votre compte est à jour. Voilà. L'entrée, là on vous dit au jour d'aujourd'hui, un bitcoin vaut 1265 dollars. Ça monte et ça monte. Voilà un peu. Et autre chose, on va voir ici en même temps. Là, vous avez créé votre portefeuille. Maintenant, il va falloir que vous puissiez acheter des bitcoins. Donc là, pour acheter, vous aurez besoin d'acheter des bitcoins pour que votre balance ne soit pas à zéro. Donc là, vous allez aller, pour ce faire, vous allez aller ici, Buy and Sell. Vous cliquez ici. Voilà. Comme j'avais pas mis la carte bancaire, donc c'est là. Vous allez cliquer ici, vous allez mettre votre carte bancaire. On va cliquer, on va voir ensemble comment ça va se passer. Je vais vous montrer un peu la marche à suivre. Voilà. Là, vous avez les différents moyens de paiement. Convomarque, virement bancaire. Là, vous ajoutez le moyen de paiement que vous voulez. Voilà. Vous pouvez faire via PayPal. Ceux qui ont des comptes PayPal, compte bancaire, c'est plus long. Mais les plus rapides, c'est PayPal et Credit Card. Donc, si vous allez dans Credit Card, là, vous mettez toutes les informations de votre carte. Vous allez ici pour mettre les informations de votre carte.
Ok, bon, on va fermer. Voilà, c'est ici que vous allez. Et vous joignez la carte. On retourne ici dans... Yes. Attendez, non, c'est pas là. On va aller dans... Bon, là, il n'y a rien. Bon, c'est ici, hein, comme je vous ai dit, pour acheter des bitcoins, on va dans Buy and Sell. Attendez, on va revenir. Oh, voilà. Pour acheter des bitcoins, vous allez là dans Buy and Sell. Et oh, bon, là, on est dans les comptes encore. Bon. C'est là. C'est là que ça se passe pour acheter vos bitcoins. Vous mettez votre moyen de paiement et ça vous montre la démarche. Maintenant, ce qui va se passer. Quand vous avez ouvert votre coin, votre bitcoin et vous commencez à recevoir des paiements. D'abord, pour envoyer un paiement, c'est ici. Vous allez dans Tools. Quelqu'un va vous dire, oui, envoie-moi des bitcoins. Il va vous dire, donne-moi ton adresse de portefeuille. On va aller dans là. Vous allez aller ici. Et là, automatiquement, ça vous crée cette adresse. Chaque fois qu'on vous demande une adresse bitcoin, il faut toujours créer une nouvelle. Donc là, si on vous demande aujourd'hui, c'est cette adresse que vous allez envoyer. Et vous venez de la créer. Et c'est mieux de mettre un nom. Donc pour mettre un nom, l'adresse, elle a été créée. Vous allez ici dans Détails. On va dans Détails et on va essayer de mettre un label à cette adresse. Voilà. Donc cette adresse, on va l'appeler essai. OK. Vous sauvegardez. Et après, vous copiez. Coller cette adresse et vous envoyez cette adresse par mail à la personne qui veut vous envoyer de l'argent. Ça, c'est quand quelqu'un veut vous envoyer de l'argent. Maintenant, à votre tour, quand vous devez envoyer de l'argent. OK, là, on va aller là. Pour envoyer de l'argent, vous allez ici. Là, c'est Send. La personne vous a déjà envoyé son adresse électronique comme vous, hein. Vous avez reçu ce lien. Donc vous allez aller ici, et c'est ici, on va faire un copier-coller, ici, dans récipient, c'est marqué email ou bitcoin adresse. Comme je vous ai dit, vous pouvez mettre l'adresse email de la personne. C'est encore plus simple, mais si vous avez l'adresse, vous mettez. Donc là, on copie, on colle l'adresse. On va coller l'adresse qu'on vient juste de mettre. Vous collez l'adresse, vous mettez le montant ici. Et très très important, n'oubliez pas, ça va vous aider, mettez une note. Par exemple, ce que moi j'ai l'habitude de mettre, c'est de mettre le nom de la personne à qui j'envoie de l'argent. Donc vous mettez là et vous cliquez ici envoyer les fonds. Tout simplement. Maintenant la question qu'on m'a posée, j'ai de l'argent sur mon wallet, comment je fais pour retirer cet argent? Bon, comment vous faites pour retirer l'argent qui est dans votre wallet? Là, on va aller dans là, account. Donc on va dire que là, au jour d'aujourd'hui, il se trouve que vous avez 19 bitcoins dans votre portefeuille. Pour retirer cet argent, vous allez aller là. Dans BTC Vault. En français, c'est votre code Fort. Ici, vous entrez là-dedans. Là, c'est votre code Fort. Vous pouvez le renommer. Bon, on va le laisser là comme ça. On va faire Next. Là, vous serez tout seul à approuver tous vos retraits. Vous dites oui. Ou si vous êtes un groupe, vous pouvez dire, je veux qu'il y ait une co-signataire là. Ou sinon, si vous êtes tout seul, c'est là, individuel. On va dans Next. Voilà. Vous laissez cette première partie. Next. L'ordinateur est un peu lent. OK. Donc, pour retirer, vous pouvez faire une seule adresse, mais il vous demande, parce que là, c'est le moment de retirer votre argent, pour être sûr que l'argent va à la bonne personne. Là, vous écrivez une seconde adresse email, vous allez en créer une. Attendez, on va essayer d'en créer une. Hein. Comme... OK, gmail.com. Ça, c'est la seconde adresse que vous mettez. Vous faites Next. Voilà. Ils attendent la confirmation. Et pour la confirmation encore, ils vont envoyer un mail à cette adresse. Il va falloir vérifier cette adresse. Tout simplement. Quand les deux vont être vérifiés, ce que vous allez faire, ça va vous demander maintenant de relier une carte bancaire pour pouvoir
collecter votre argent. Et c'est à ce niveau que ça se fait. Bon, là, je suis en attente parce que j'ai pas encore reçu, j'ai pas encore fait la vérification. Donc, c'est simplement à ce niveau que tout va se faire. Voilà, je peux pas aller plus loin parce que je n'ai pas vérifié cette adresse email. Mais quand vous êtes à ce niveau, vous vous laissez guider et c'est, comme je le disais encore, c'est dans votre coffre-fort que vous allez pour retirer tous vos avoirs. Voilà pour aujourd'hui. Un peu, on a essayé de faire, j'essaye de faire le tour de comment marche votre portefeuille électronique. Là, c'est le tableau de bord. Là, c'est pour acheter les bitcoins. Là, c'est pour envoyer ou recevoir des bitcoins. Là, c'est votre compte, vous pouvez le voir. Et là, c'est les adresses. Vous créez les adresses. Quelqu'un dit, envoie-moi ton adresse Bitcoin pour que je t'envoie des adresses. C'est dans Tools que vous allez aller. Et là, c'est dans Settings. Si vous voulez changer votre mot de passe, vous voulez changer votre nom, c'est ici. Ok, je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder, de visionner cette vidéo avec moi. Merci, merci encore. Au revoir.